Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment mettre des vidéos, des films, etc. sur votre PS Vita. Et voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un truc. Je fais ça pour les formats, les fichiers au format 3GP. Parce que la PS Vita ne lit que les fichiers MP4. C'est pour ça que sur les fichiers au format 3GP, il faut les convertir pour pouvoir les lire sur votre PS Vita. Pour les convertir, il faut télécharger un logiciel. C'est Format Factory. Voilà. Alors, je vais expliquer comment ça marche. Voilà. C'est tout simple. Alors, d'abord, vous avez vidéo avec tout ça. Voilà. Image, audio, ROM, périphérique et Advanced. Aucune idée de ce que c'est. Alors. Là, c'est simple. C'est un convertisseur de vidéo de 3GP à MP4. Alors, vous prenez vos vidéos dans vos fichiers et vous devez les mettre sur un autre fichier. Donc, voilà quoi. Vous devez les mettre sur un autre fichier. Alors, c'est le fichier, un nouveau fichier. Vous prenez un nouveau fichier ou vous le mettez sur un fichier déjà existant. C'est comme vous voulez tant que vous ne vous perdez pas. Donc, vous faites tout ce que vous voulez alors. Ensuite. Une fois que le téléchargement est complet, vous reliez votre PSP à votre ordi. Bon, moi je ne l'ai pas relié parce que j'ai déjà tout fait. Voilà, alors je l'allume. Voilà. Voilà, alors, et là, vous allez dans Gestionnaire de contenu. Alors, je vais y aller quand même pour vous montrer. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Voilà, et là, vous choisissez Connecter à un PC. Bon, moi je ne l'ai pas connecté, donc je ne vais pas le faire. Mais vous choisissez connecter à un PC. Ensuite, une fois que vous l'avez connecté à un PC, vous appuyez là. Et vous vous retrouvez dans de la PS Vita au PC ou du PC à la PS Vita. Dans ce cas-là, vous prenez du PC à la PS Vita. Ensuite, vous devez aller ici. Là. Là. Non, ah oui. J'ai oublié de vous expliquer un truc. Pour pouvoir faire ça, il va falloir vous télécharger Gestionnaire de contenu. C'est très simple, c'est expliqué. Lorsque vous achetez votre PS Vita, vous allez sur le site PlayStation et vous le téléchargez. Bon, ensuite, voilà, vous allez ici. Et dans les fichiers, dans les trucs vidéo, vous mettez le nom de votre fichier. Moi, par exemple, c'est un cher film MP4. Voilà, une fois que c'est fait, bon, vous mettez OK, mais bon, moi je le ferme. Voilà, vous mettez OK. Et grâce à ça, vous allez pouvoir passer vos fichiers MP4 d'ici à là. Alors, vous allez, voilà, vous allez là. Je vais vous montrer. Alors, voilà, vous allez avoir plusieurs options lorsque vous faites gestionnaire de contenu. Vous allez avoir images, vidéo, son. Et je sais pas s'il y en a un autre. Bon, vous allez dans images, vidéo. Voilà, vous allez dans vidéo. Et vous avez marqué PC. Vous allez sur PC. Et là, il y a tous les noms des films, ou des vidéos, ou comme vous voulez, qui sont marqués. Alors vous faites. Vous les copiez, voilà, vous les copiez sur votre carte mémoire. Et puis voilà. Et à la fin, vous déconnectez votre Vita de l'ordi. Et vous allez dans vidéo et vous faites ça. Et voilà, ça donne ça. Alors voilà, je vais vous montrer un film. Bref. Ah mince, il faut que j'enlève mon casque. Là en l'occurrence, c'est American Pie. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Bon, on va avancer un peu. Très bonne qualité. Je suis assez content. Et voilà quoi. Bon, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et à vos demandes. Voilà, c'était avec grand plaisir que j'ai fait cette vidéo pour vous. Et je vous dis à bientôt. C'était Clément, alias Totter 64160. Allez, ciao, ciao, ciao!